Bon, l'initiative, c'est que nous sommes investis d'un mandat qui consiste à amener une nouvelle approche, une nouvelle approche qui consiste à mettre en place le Bourok. Moi, une commission à laquelle je dois amener la communauté musulmane à donner sa note dans l'effort de participation et de construction pour répondre aux préoccupations de des communautés de Ziguinchor. Le thème, c'est le Bourok en islam. Pourquoi Bourok en islam? Parce que Bourok, ça signifie travail en Djola. Donc nous, on a su déceler une sourate qui traite de comment une communauté doit s'organiser. Qu'est-ce que doit être la préoccupation d'un être humain par rapport à son créateur? La Oksimifil Hazal Baladi, cela veut dire que Dieu a juré sur la cité. Donc la cité qui nous préoccupe, nous tous, Bourok est venu pour inscrire sa participation dans l'effort de construction de l'humanité. Mais parcellairement, nous devons agir à Ziguinchor parce qu'on est élu à Ziguinchor. Donc on a instauré cela pour amener toutes les communautés sans distinction de race ni de religion, parce que ça, nous l'avons initié. Mais il y a eu la patte aussi d'un conseil municipal qui se trouve être un chrétien. Nous deux, on a associé nos deux groupes d'institutions pour en faire cela aujourd'hui. Partager avec les communautés le Ndogou et faire une conférence où on va décliner le projet Bourok, la teneur et la dimension spirituelle du projet Bourok, et nous devons le décliner, et nous comptons aussi le faire dans les quartiers. Ça doit être qu'un événement déclencheur et qui va nous amener à faire des séries de conférences dans les quartiers pour amener les communautés à s'approprier du Bourok et en faire le sien.